Après les chasseurs de zombies, les flics et les agents spéciaux, il était temps de mettre en scène des ninjas dans nos bons vieux light gun shooters. Êtes-vous prêt à affronter un Japon féodal envahi par des démons pour sauver la princesse Koto des griffes d'un shogun démoniaque? Telle est la proposition singulière de Ninja Assault, un jeu co-développé par Namco et Sega en 2000 sur le système Naomi, puis adapté sur PlayStation 2 en 2002. Signe des temps, le jeu avait été plutôt froidement accueilli à sa sortie par les magazines spécialisés, à l'image de ce test de console plus. Intérêt 82%. Avec une réalisation et une difficulté plus poussée, Ninja Assault aurait pu être bien meilleur. C'est dommage. Ayant bien apprécié ce titre à sa sortie, je me réjouissais de pouvoir m'y replonger, accompagné de l'excellent Gunken 2. Bonjour à tous chers camarades, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de Ninja Assault, un light gun shooter que j'ai particulièrement apprécié à sa sortie en 2002 sur PlayStation, qui cerise sur le gâteau est compatible avec le fameux Gunken 2, garant d'une précision de tir optimale, donc vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même en cas de défaillance, vous êtes prévenus. Alors Ninja Assault vous plonge, vous l'avez déjà remarqué, dans un environnement, disons, japonisant, au cœur d'un Japon féodal, revisité, même très fortement revisité. On est loin du réalisme historique, ce n'est clairement pas la priorité ici. Une guerre éclate et la princesse Koto a été kidnappée par des démons qui prévoient de la sacrifier dans le cadre d'un rituel satanique. Un scénario somme toute classique, mais ce qui va retenir notre attention ici, ce sont ses qualités intrinsèques en tant que light gun shooter. Un genre, mais j'ai déjà dû le dire 100 fois, que j'apprécie tout particulièrement et que j'apprécie encore plus à l'époque, puisque je possédais quasiment tous les jeux du genre chez Namco, notamment Time Crisis 2, 3... Vampire Knights ou encore ce Ninja Assault, mais j'en oublie probablement. L'une des caractéristiques de ce genre de jeu, vous le savez, c'est le doublage nanardesque qui, avec le recul, ajoute évidemment du charme à ce titre. Alors, sachez que nous sommes loin du jeu d'acteur d'un House of the Dead quand même, dont la puissance nanardesque n'a jamais été dépassée depuis. Les cinématiques sont par ailleurs assez longues, mais fort heureusement dynamique et très bien intégré aux phases de gameplay. Alors justement, en parlant de gameplay, je n'ai pas grand chose à vous raconter puisque c'est extrêmement simple, j'allais dire simple mais efficace, vous tirez sur les ennemis et vous rechargez en visant en dehors de l'écran à la manière d'un House of the Dead. J'allais dire, vous êtes équipé seulement de votre bite et votre couteau, sauf qu'en l'occurrence là, c'est pas un couteau mais c'est un flingue. Voilà, j'ai placé la petite blague Patrick Sébastien. Mais je dirais que la caractéristique la plus distinctive de ce Ninja Assault, vous l'avez peut-être remarqué, c'est sa direction artistique qui est assez particulière, il faut l'avouer. Alors moi j'ai adhéré tout de suite avec ce mélange d'éléments presque futuristes, ces sortes de robots comme on aurait pu en concevoir à l'époque, le tout dans un Japon féodal. Moi je trouve que ce contraste fonctionne très bien. Même si déjà à l'époque, la modélisation des personnages était datée, pourtant le jeu est sorti sur le système Naomi, ce qui va avoir une résonance particulière, mais nous allons en reparler. Cela dit, les textures m'ont semblé assez fines pour de la PS2. Oui, j'hésite pas à dire pour de la PS2, parce que ça n'a jamais été sa qualité première. Et je trouve par ailleurs que le choix des couleurs est de bon goût. Moi, je trouve que c'est un jeu qui a du cachet à minima. Alors encore faut-il adhérer à son ambiance qui, je l'ai dit, est assez unique, notamment dans le design des ennemis qui probablement ne plaira pas à tout le monde. Alors si on revient du côté du gameplay, c'est un jeu qui est assez intense puisque à la manière de House of the Dead, vous allez devoir tirer plusieurs fois sur les ennemis pour les tuer. Très peu d'ennemis peuvent être one-shot dans Ninja Assault. C'est d'ailleurs un jeu assez fatigant qui rappelle, de ce point de vue-là, House of the Dead.
D'ailleurs, il y a d'évidents points communs avec la série phare de Sega, puisque le jeu a été à minima coédité par Namco et Sega. Je ne sais pas s'il a été co-développé. Ce qui est d'ailleurs également le cas de Vampire Knight, dont l'équipe de développement est constituée d'anciens de chez Sega. De toute façon, la paternité de House of the Dead est évidente dans ce jeu, bien sûr dans un cadre complètement différent, mais vous l'avez compris, le gameplay s'en inspire fortement, et honnêtement, ça fonctionne. C'est aussi un jeu, comme vous l'avez remarqué, qui est extrêmement dynamique dans sa mise en scène. On a droit à des mouvements de caméra vifs, rapides, qui intensifient incontestablement l'action. Et honnêtement, on ne s'ennuie pas. Je formulerai tout de même un petit bémol, c'est le manque d'impact des tirs, qui découle probablement du fait que la plupart de vos cibles sont des robots ou des soldats constitués de bois ou de métal, et cela diminue l'impact de vos tirs, bien plus que si c'était de la chair humaine, comme dans The House of the Dead, où on ressent véritablement la puissance des balles qui déchiquettent la chair. Ici, c'est plus sec, voire froid, j'allais dire en phase avec les environnements. Vous voyez que c'est taillé à la serpe et que c'est un petit peu moins chaleureux que dans la série de Sega. J'ai également apprécié la variété des ennemis, même si on observe quelques redites inévitables, sans parler de color swap, mais je trouve le bestiaire assez divers, ce qui va d'ailleurs vous poser des problèmes parce que les patterns le sont également. Cela dit, j'ai pas trouvé le jeu très difficile pour une première partie après plus de 20 ans. J'ai réussi à progresser assez loin dans le jeu avec, certes, les crédits de base, hein, puisqu'on vous propose 8 crédits par défaut dans la difficulté normale. Ce qui le place, à mon sens, en dessous d'un House of the Dead 1 et 2 en termes de difficulté. Je dirais que dans Ninja Assault, la courbe de progression ne repose pas tant sur la précision de vos tirs, même si c'est évidemment essentiel, mais plus sur votre capacité à tirer en rafale rapidement et à recharger au bon moment. C'est donc un jeu particulièrement exigeant sur le plan du rythme et des réflexes, mais là encore à l'image de House of the Dead, où la précision passait peut-être au second plan comparé à Time Crisis. Un autre point que je n'ai pas spécialement apprécié dans Ninja Assault, eh bien, ce sont les musiques que je trouve à la fois génériques et sans âme. C'est une sorte de musique électronique sans la moindre mélodie. C'est évidemment subjectif, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout accroché. Vous voyez que les environnements sont assez variés avec des phases en extérieur, en intérieur, des grottes et même des passages d'un en arbre, façon ninja. Alors évidemment le jeu est jouable à deux en coop, ce qui doit être d'ailleurs bien sympa, mais je n'ai pas pu m'y essayer. Hein, précision qui peut avoir son importance, le jeu tourne en 60 images par seconde sans la moindre chute de framerate, qui va vous assurer une lecture de l'action quasi parfaite. Ah oui, l'autre point que je m'étais noté, c'est que il n'y a malheureusement pas d'armes secondaires à ma connaissance. Ça reste un peu décevant pour un jeu de cette époque, hein, 2002-2000, bah, c'était quand même de longues années après les grands classiques que sont The House of the Dead et Time Crisis, donc on aurait aimé un peu plus de contenu d'un point de vue des armes. Cela dit, c'est vrai que dans le feu de l'action, on n'y pense pas forcément. Donc, vous l'avez compris, ça a été un vrai plaisir de me replonger dans ce Ninja Assault, qui est certes un light-gun shooter classique, mais qui se distingue par une direction artistique originale. Je ne le placerai pas parmi les meilleurs jeux du genre, mais si vous êtes si comme moi, vous en êtes un amateur et que vous êtes en manque, eh bien, je vous le conseille. Allez, à bientôt.